Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis encore ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un nouveau jour, une nouvelle semaine qui débute. Et un privilège encore de pouvoir rentrer dans cette nouvelle semaine avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accompagné de notre meilleur allié, le Paraclet, le Saint-Esprit. Et en ce matin et pour cette nouvelle semaine, éternel Dieu, éternel Roi, nous voulons tout simplement proclamer la grandeur de ton nom. Nous voulons tout simplement déclarer en ton nom que cette semaine, particulièrement cette journée et pour tous les jours de cette semaine, nous serons dans ta joie à toi. Que nous serons dans ta paix à toi. Et nous croyons, éternel Dieu, que tu rempliras tout un chacun de nous de ton amour encore, afin que nous puissions aller œuvrer à tous ceux dont tu as besoin. Que cette semaine, éternel Dieu, soit sous ton contrôle à toi. Que les heures de cette semaine, les minutes de cette semaine, toutes les activités que nous aurons à faire tout au long de cette semaine, Seigneur, soient sous ton contrôle à toi. Que le Saint-Esprit soit celui-là qui vienne orienter nos pensées, qu'il soit celui qui vienne éclairer et nous donner la clairvoyance dont nous avons besoin. Qu'il y ait plus de toi dans nos vies, qu'il y ait plus de toi en cette semaine, que cette semaine soit couronnée de gloire. Que cette semaine soit couronnée de grâce, couronnée de bénédiction selon ton bon vouloir à toi. Parce que c'est ton nom que nous proclamons en ce matin et en cette semaine. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que
Seigneur, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessus de nos vies. Voilà pourquoi nous voulons proclamer cette majesté-là en ce jour, cette journée que tu nous donnes de vivre encore par ta grâce. Nous voulons proclamer cette même majesté-là tout au long de cette semaine. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta gloire tout au long de cette semaine. Nous voulons proclamer, éternel Dieu des armées, tes hauts faits tout au long de cette semaine. Que tu puisses encore visiter tout un chacun de nous comme bon te semble, éternel. Que tu puisses nous combler, nous combler, nous combler de ce qui te plaira à toi. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Par la grandeur de ton nom, bénis nos foyers, bénis nos familles, bénis nos activités encore, Seigneur. Bénis tout simplement l'œuvre de nos mains. Éternel Dieu, regarde ces greniers que la bienheureuse Vierge Marie te présente. Cette semaine qu'elle te présente, nos vies qu'elle vient te présenter, Seigneur. Et comble-nous, bénis-nous, éternel Dieu. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, comme le déclare ta parole, Seigneur. Bénis-nous, bénis-nous. Car ton nom est si grand, ta majesté s'élève au-dessus de toutes choses. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment. Alors bien-aimés, c'est dans cette mouvance-là, accompagnée de tous nos anges gardiens et de tous les saints et saintes du ciel, que je te souhaite de passer une excellente journée et une excellente semaine, parsemée d'amour, de paix, de joie et de toutes sortes de bénédictions qui a été prévues pour toi. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie et semaine bénie à toi.